Cher Flyer, super contente de te retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de podcast où tu vas réchauffer mon cœur parce que je suis complètement gelée à l'heure où on se parle. J'ai froid, là, je te rassure. J'ai les doigts, euh, congelés. J'ai deux cotons ouatés parce qu'on n'a plus d'électricité depuis hier. Ça me fait rire de vivre ça ici, au Québec, dans ma grosse maison, dans le sens que c'est le genre de choses qui arrivent tout le temps, soit en camping, soit à l'extérieur. Tu sais, au Costa Rica, des pans d'électricité, il y en a souvent. Manquer d'internet, ça fait partie de la vie là-bas, tu sais. Euh, quand on était en Flyer, il arrivait toujours des petits pépins de toilettes, de ci, de ça. Mais là, quand ça arrive chez vous, on dirait que c'est comme désagréable. Parce que là, en ce moment, euh, comme on est à la campagne et euh, qu'on a un puits artésien, nous, quand il y a une panne d'électricité, ça veut aussi dire pas de toilette, pas de douche. Donc, c'est cette partie-là qui est un peu moins agréable, mettons. <laughs> Le fait de pas avoir d'électricité en tant que telle, ça va parce que tu sais, on, on peut faire un feu, on peut se faire à manger sur notre barbecue, on peut se mettre des chandelles, tout ça. Euh, c'est sûr que ça demande un peu de réorganisation. Genre, là, mon chum, présentement, est en train de mettre la bouffe dans une glacière. Fait que, chérie, qui va monter le podcast, euh, ben, écoute, je t'encourage là-dedans. T'es bon, t'es capable. Euh, je suis en train de parler avec toi dans le podcast. Fait que, moi, euh, je, je suis très bien par rapport à ça. <laughs> Présentement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça me fait rire de vivre ça ici. Ça fait une journée qu'on n'a plus d'électricité. Je euh, je sais pas quand est ça va revenir. Ça va survenir aujourd'hui. Ça va se revenir demain. Ça nous est déjà arrivé il y a de ça quelques années qu'on l'avait retrouvé trois jours plus tard. Puis là, trois jours, pas de douche, pas de toilette, sérieusement, là, Ça commence à, à être vraiment désagréable. Mais bon, ça va. C'est correct. Ça va peut-être revenir au cours de la journée. On se le souhaite. On se croise les doigts. Et je suis sur mon routeur portatif de camping pour enregistrer l'épisode de podcast. Euh, mon routeur que je traîne avec moi euh, dans mes Road trip, que je traîne avec moi au cas où que je n'aille pas Internet quand je fais mes voyages au Canada. C'est vraiment pratique, ça, par exemple. Je suis vraiment contente d'avoir ça. Et euh, je viens de commander une batterie pour pouvoir charger euh, mon ordinateur. T'sais, on apprend hein, des choses, on apprend de ce qui nous arrive. Euh, ça faisait une couple de fois que mon chum me disait il faudrait acheter une batterie pour charger nos ordinateurs quand il n'y a pas d'électricité. <laughs> ben oui, là, j'ai dit tu peux commander. Donc, voilà. Bref, ça, c'est un petit moment de, de, de ma vie, mais sinon, j'avais envie de te parler, en fait, d'un sujet que j'ai déjà parlé en podcast. J'avais déjà fait un épisode de podcast euh, il y a de ça, euh, deux ans, je pense là-dessus, quand la pandémie avait commencé. J'avais fait un épisode de, de podcast pour aider les entrepreneurs qui pouvaient ressentir un stress ou une insécurité avec la situation. Mais là, ça a, ça a changé, ça a évolué. Euh, puis ça fait quand même euh, deux ans qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Donc, euh, il y a encore des pour certaines personnes cette incertitude là qui peut monter surtout parce qu'on entend beaucoup euh, des termes comme ces temps-ci crise crise économique récession fait que il y a des filles que je remarque dans mes groupes de coaching qui euh, stressent présentement euh, par rapport à la situation mondiale comme si elles ne voyaient pas l'amélioration des deux dernières années fait qu'il y a des entrepreneurs qui commencent à être fatigués il y en a qui sont épuisés il y en a qui sont tannés il y en a qui ont peur il y en a qui sont stressés il y en a qui se sentent inconfortables, il y en a qui euh, se sentent de toutes sortes de... de, de, de qui se sentent de même, là, qui ne savent pas trop, mais ben là, qu'est-ce qui va se passer avec ma business? Et c'est sûr que quand j'entends les mots « crise », les mots « crise économique », les mots « récession », les mots « situation mondiale », euh, toutes ces mots-là, toutes ces phrases-là qui sont répétées peuvent avoir un impact direct sur notre stress, mais aussi sur notre entreprise, parce que plus on est dans la peur, dans la crainte de quelque chose, plus nos actions vont être l'équivalent de nos pensées. Il faut jamais oublier ça. Si moi je suis convaincue à l'intérieur de moi que ça va bien présenter, plus là, attention là. On va en parler dans les prochaines minutes. Mais quand je veux dire ça va bien, ça veut pas dire que tout va bien. Mais si à l'intérieur de moi j'ai confiance en la vie puis j'ai confiance en ce qui va se passer dans les prochaines années, ben mes actions vont être l'équivalent de ça. Mais si je suis convaincue que ça va mal puis que ça va en dégringolant, ben c'est clair que mes actions aussi vont être l'équivalent de ces pensées là. Donc c'est super important de s'asseoir puis d'en parler aujourd'hui. Bien, s'asseoir. Je sais que tu n'es pas assis. Tu es peut-être en train de marcher, en train de faire ta cuisine, en train de t'occuper de bébé. Mais je pense que c'est important qu'on en parle parce que euh, je suis triste, en fait. Je suis triste pour les femmes dans mes groupes qui se sentent de même. Ça me fait chier, en fait, pour ces femmes-là qui se sentent de même. Euh, on devrait être des entrepreneurs souriantes, confiantes, puissantes. Euh, puis, on ne devrait pas avoir peur. En fait, c'est correct de le ressentir, mais on ne devrait pas rester dans cet état-là longtemps. Puis, quand je vois des entrepreneurs dans, dans cet état-là longtemps, bien, ça vient me chercher en dedans. Puis, j'ai comme cette mission-là, puis ce devoir-là qu'on en parle, les filles, parce que euh, ça va bien dans le monde. C'est ça que j'ai le goût de dire. Ça va bien dans le monde. Les possibilités sont là. Euh, c'est incroyable tout ce qu'on peut réaliser en ce moment. Moi, j'ai jamais eu une entreprise aussi florissante. J'ai jamais eu une entreprise aussi lucrative depuis le début de la pandémie. Donc, c'est super important aussi de voir ce qui va bien. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai préparé euh, pour toi, euh, je veux qu'on parle de trois étapes, en fait, trois points importants. Euh, qui va t'aider en fait à éviter que la situation mondiale affecte ton entreprise parce que peut-être ça l'affecte déjà puis ça l'affecte déjà peut-être à cause de toi. Et c'est ça qui est important à comprendre aussi, c'est que on est toujours responsable de ce qui se passe dans notre business en grande partie Là, je dis en grande partie parce que euh, oui, il y a eu des domaines pour qui ça n'a pas été facile. Je parle euh, des domaines de la restauration, domaine du voyage principalement. Ça a été ceux pour qui ça a été le plus difficile. Donc, à un moment donné, on ne se met pas la tête dans le sable. On le sait que ça n'a pas super bien été pour ces gens-là, mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout va mal non plus. Donc, on va commencer avec le premier point. Moi, je vais te partager en fait des étapes pour éviter que la situation mondiale affecte ton entreprise dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Super important. On est dans une période de changement vraiment importante, et si tu veux faire partie de ce changement-là, ben c'est super important que tu mettes déjà des actions en place pour pouvoir euh, maximiser tes actions positives pour ton entreprise. On va commencer avec la première étape. La première étape, si tu ne veux pas que la situation mondiale affecte ta business, c'est de changer ta vision du monde. Changer ta vision du monde, surtout si elle est biaisée, négative, erronée, parce que si ta vision actuelle est associée à une perte d'espoir, imagine les actions. Imagine les actions que tu vas t'empêcher de faire ou que tu vas faire par peur que ça crache. Oui, les dernières années ont été difficiles pour certaines personnes plus que l'autre, je viens d'en parler. Mais pour avoir accompagné des centaines de femmes, celles qui ont le plus vécu une croissance et une expansion dans leur business sont des femmes qui ont vu dans cette porte de l'histoire de l'humanité une opportunité. Une opportunité de se réinventer. Ah, l'électricité est revenue, mon dieu, excusez. Ça, c'est cool, ça, Ça, c'est le fun, on vient maman ensemble. J'ai de l'électricité à nouveau. OK, on reprend. Donc où est-ce que j'étais? Ah oui, ok. Pour avoir accompagné des centaines de femmes, c'est ça que je parlais. Euh, des filles qui ont vécu euh, une belle croissance. Celles qui ont vécu une belle croissance, c'est celles qui ont vu en fait l'espoir, qui ont vu en fait dans cette porte là qu'on est en train de vivre dans l'histoire de l'humanité une opportunité. Puis il y en a plein des opportunités, opportunités euh, de créer quelque chose de nouveau, de prendre ce temps là de réflexion pour soi. Et j'ai vu là des femmes dans les deux dernières années prendre les plus grandes décisions de leur vie. C'est juste incroyable, combien de femmes ont quitté une relation qui fonctionnait plus depuis des années, ont quitté un endroit qui ne les correspondait plus, il y a beaucoup de femmes qui ont déménagé dans ma gang de flyers, des femmes qui ont euh, changé de maison, qui ont acheté une nouvelle maison dans un endroit qui correspond plus à leur vision de la vie, puis il y en a qui ont acheté un chalet, il y en a qui ont changé de ville, il y en a qui ont changé de pays, donc qui ont vraiment euh, écouté leur cœur parce que c'était une période où est-ce qu'elles ont plus Réfléchir, puis, en fait, oh my God, moi, je, je suis dû pour ce changement-là. Puis, il y a plein de femmes là-dedans qui ont créé leur vie de rêve, il y en a qui ont quitté leur job. Tu sais, C'est tellement beau, en fait, ce qui s'est passé dans les dernières années. Il y a plein de femmes, en fait, qui ont vu tout ce qui se passait comme une opportunité de changer puis de se rapprocher de sa vie de rêve. Faut jamais oublier ça. Regardez les gens autour de vous qui ont changé en positif depuis le début de la pandémie, pas ceux qui ont crashé puis qui ont commencé à déprimer puis qui ont commencé. C'est oui, il y en a, c'est correct, mais pensez à tous ceux qui ont changé leur vie positivement. Super important d'en parler. Donc on pourrait jamais transformer sa vie, celle des autres et du monde si notre perception du monde est que tout va mal. Depuis mon arrivée au Québec, puis je pense que c'est ça qui m'inspire là euh, cet épisode-là pour être bien honnête parce que je parle de mes groupes de coaching, mais je pense que ça vient plus de mon retour au Québec. Au Costa j'étais vraiment dans dans un endroit où est-ce que tout tout roulait, tout euh, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais c'est les gens ont pas peur. Ils ont pas peur de, 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 de ce qui se passe. Ils ont pas peur de la crise. Ils n'ont pas peur de la guerre. Ils n'ont pas peur de ces choses là. Ça, on parle pas de tout ça. Puis c'est pas qu'on n'en parle pas parce qu'on est ignorant ou qu'on veut pas. C'est vraiment que on décide de mettre nos pensées puis nos actions dans des choses qui nous font du bien intérieurement. Puis depuis mon arrivée au Québec, j'ai entendu beaucoup de discours négatifs envers le monde entier de tout ce qui se passe. Puis tu sais, j'ai le goût de dire que c'est juste une question de perception. C'est juste une question de perception vis-à-vis des -vis informations que l'on choisit ou non de laisser entrer dans notre vie. Souvent, ces gens-là qui ont des discours négatifs. Puis le but, ce n'est pas de critiquer ces personnes-là. Le but, ce n'est pas de critiquer personnellement ces gens-là. Mais ça reste que ces gens-là, souvent, c'est des personnes qui vont écouter beaucoup les nouvelles. Donc, ils vont écouter beaucoup les nouvelles, ils vont regarder beaucoup les magazines, les journaux. Puis malheureusement, euh, de la manière que ça fonctionne, euh, j'ai travaillé hein, dans les médias pendant des années. C'est une histoire de clickbait. Tu sais, on se cachera pas que c'est une histoire de clic. C'est une guerre de clics. C'est que tu veux le plus de clics possible. Fait que c'est quoi le titre accrocheur que tu vas mettre pour avoir le plus de clics possible? Puis c'est des titres souvent négatifs qui vont attirer le plus. Malheureusement, c'est plate parce que on aimerait ça que les titres positifs, euh, remplis d'espoir puis de bonheur euh, nous donnent envie de cliquer mais selon la psychologie euh, du cerveau ben c'est malheureusement les trucs euh, qui génèrent des sensations comme la peur qui fait que les gens vont cliquer plus fait que ça fait en sorte que si toi tu fais juste à regarder euh, des magazines des journaux puis écouter les médias puis les radios puis ça parle de choses négatives ben c'est clair que ta vision du monde va être négative puis que tu auras l'impression mon dieu qu'il n'y a pas d'espoir parce que c'est 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 pas ça leur but non plus de montrer qu'il y a de l'espoir. Fait que tu vas avoir l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, que ça dégringole, euh, que euh, c'est de pire en pire. Et quand on a cette impression-là, qu'il n'y a aucun espoir, que ça dégringole, que c'est de pire en pire, il y a un sentiment à l'intérieur de nous qui est comme un sentiment d'impuissance envers soi-même, envers les autres et envers sa business. Parce qu'on a comme l'impression que nous, d'abord on peut pas on peut pas rien changer. Fait que si nous on peut pas rien changer, comment on peut aider les autres? Puis comment est-ce qu'on peut amener notre entreprise au prochain niveau? Fait que toute cette vision là du monde affecte notre business présentement. C'est comme si, dans le fond, tu avais l'impression qu'il n'y a aucun effort que tu pourrais toi mettre en place qui pourrait faire bouger les choses parce que c'est hors de ton contrôle. Donc, c'est sûr qu'avec cette vision-là, très difficile d'amener son entreprise au prochain niveau. Quand ta vision du monde est plus positive, c'est là que tu vois les belles choses, c'est là que tu vois l'amélioration, c'est là que tu vois tout ce qui se passe de beau dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce qui se passe, parce que oui, dans le monde, il y a de la souffrance, oui, il y a des inégalités, oui. Euh clairement qu'il y a beaucoup de travail encore et de chemin à faire pour le droit des femmes mais il y a tellement de belles choses qui ont été faites, il y a tellement d'améliorations puis de belles choses qui ont changé aussi et c'est pour ça que moi j'aime voyager parce que c'est les voyages qui me permettent d'élargir cette vision là du monde et de me rapprocher de quelque chose de plus positif. Tu sais, au Costa Rica la vie était belle comme je disais tantôt fait que c'est clair que euh, ça m'amenait à avoir une vision du monde plus positive, ça m'amenait à avoir d'espoir, ça m'amenait à avoir tout ce qui est beau, tout ce qu'on a encore accès à la nature qui est là autour de nous on, auquel on peut se rattacher puis les gens extraordinaires donc c'est sûr que quand tu as ce sentiment de puissance-là envers toi, parce que je sentais que moi je pouvais avoir un impact ben imagine ce que tu peux faire pour les autres puis Envers ton entreprise. C'est comme si tu le sais au fond de toi que les efforts et les actions que tu vas faire vont faire bouger les choses. C'est complètement différent que la vision du monde qui est négative. Donc, c'est super important de te rapprocher de ce qui t'amène à croire que l'abondance est toujours là. Et j'ai le goût de te dire que si tu es dans une vision du monde qui est restreinte, si tu es dans une vision du monde qui est négative présentement, parce que ça se peut, puis c'est correct, puis c'est pas, euh, pas grave, là. ça arrive là. Mais si tu te sens là-dedans, c'est juste parce qu'en ce moment. C'est comme si tu regardais vers l'avant. Imagine que tu regardes à travers ta fenêtre, puis tu vois à travers ta fenêtre, comme moi par exemple, je vois à travers ma fenêtre, il y a un arbre, il n'y a aucune feuille dans cet arbre-là. OK. Mais je vois pas que à droite, puis à gauche, dans les autres fenêtres, il y a plein de choses. Il y a des beaux oiseaux. Il y a un jet bleu. Souvent, enfin, il y a des jets bleus à droite. À gauche, euh, il y a la, la nature incroyable. Il y a, il y a plein d'autres arbres. C'est comme si tu vois juste l'arbre avec des branches mais tu vois pas tous les jets bleus, tous les oiseaux, tout ce y a autour parce que tu vois juste dans ta fenêtre en avant mais tu vois pas dans la fenêtre sur le côté puis tu vois pas euh, dans ton rétroviseur non plus. Tu regardes juste à une place, fait qu il faut que tu élargisses ta vision puis honnêtement, si tu te sens là-dedans, c'est peut-être que tu as besoin de bouger puis de sortir de chez toi. Tu sais, c'est niaiseux là, mais moi j'ai une de mes clientes qui allait pas vraiment bien dans les euh, dans les derniers mois, ben elle, elle avait l'impression que elle savait plus quoi faire pour euh, amener sa business au prochain niveau, elle savait plus euh, quoi faire parce qu'elle avait l'impression justement que ça dégringolait, elle avait l'impression de perdre des clientes, elle avait l'impression que les gens étaient pas prêts à payer puis c'est elle qui nourrissait ces pensées là parce que c'est complètement faux mais elle était tellement sûre que c'était ça que ça allait pas bien ses affaires puis elle est partie une semaine dans le sud est revenu puis tout d'un coup, avec la pensée que là, il y avait de l'argent disponible, les gens allaient payer, euh, elle se sentait dans sa puissance, elle se sentait dans une énergie incroyable. Fait que tu sais, la vision du monde, lorsqu'elle est négative, c'est très difficile de réussir dans notre business. Fait que c'est vraiment une des choses qui peut t'aider à euh, avoir une belle business qui va continuer de fonctionner, peu importe ce qui va arriver dans le monde. Deuxième étape, te réconcilier avec l'argent. Ça se peut que depuis le début de la pandémie, il y ait eu une cassure dans ta relation saine avec l'argent. Ça se peut qu'avant, ça allait super bien. Tu n'étais pas stressé, tu n'avais pas peur, tu avançais dans ta business, tu investissais, euh, tu savais que c'était important de le faire. Mais là, depuis ce qui se passe, ça se peut que ça ait soit raviver des blessures, soit créer des nouveaux traumas par rapport à l'argent. Je le remarque beaucoup chez les mamans. Les mamans qui ont ce devoir-là de, de nourrir leurs enfants, ben, d'une certaine façon, ça peut créer un stress parce que comme il est arrivé quelque chose de l'extérieur qu'on n'a aucun contrôle, ça peut créer cette... Incertitude financière, je dois être capable de nourrir ma famille, je dois être capable euh, de subvenir aux besoins de mes enfants. Puis c'est juste comme euh, un l'instinct de survie tu sais, qui qui crie des messages. Tu sais. Puis en même temps, ben, ce que ça fait, c'est que vu qu'il y a une situation incontrôlable à l'extérieur de nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est contrôler. Fait que là, on se met à contrôler notre argent, contrôler nos dépenses, contrôler nos investissements, contrôler notre business, mais c'est là que souvent. On s'empêche de passer à la prochaine étape. On s'empêche de passer à notre prochain niveau de succès parce qu'on contrôle. Et c'est beaucoup dans le lâcher prise. Puis quand on lâche le contrôle, qu'on réussit à passer au prochain niveau de succès de notre business. Si on garde l'argent pour nous parce qu'on a peur, on a peur de plus être capable de payer quoi que ce soit. On a peur de ci ou on a peur de ça. Puis qu'on contrôle tout ce qu'on a. Puis qu'on veut plus investir. Puis qu'on veut plus avancer. Ben on va stagner, on va faire du surplace et en ce moment, ce qui est important de comprendre, c'est que l'argent circule plus que jamais. Je vais vous le répéter, l'argent circule plus que jamais. Donc, croire que les gens veulent plus dépenser, croire qu'il faut baisser nos prix parce que euh, parce que les gens n'achèteront plus, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Cette croyance-là qu'il y a plus d'argent, puis que ça va mal, tatata, c'est une croyance qu'on nourrit qui nous empêche de passer au prochain niveau de succès. Il y a énormément d'entrepreneurs qui font beaucoup d'argent autour de moi présentement. Je le vois, c'est tangible, c'est réel. Même moi, ça a augmenté beaucoup dans les dernières années. Je veux te donner des chiffres remplis d'espoir, des chiffres qui vont peut-être t'aider à reconsidérer ta relation avec l'argent. Pour les prochaines semaines, les prochains mois, puis même les prochaines années. Premièrement, selon le magazine Forbes, 350 milliards va être dépensé en éducation en ligne d'ici 2025. 350 milliards dans les trois prochaines années. Tu peux-tu croire ça? Et cet argent-là est pour toi pour toi si tu es une enseignante si tu as une formation en ligne si tu prévois euh, être dans ce domaine-là de l'éducation en ligne c'est un domaine en pleine croissance en plus le terrain est vraiment à défricher au Québec vraiment il y a puis on pense qu'il y en a beaucoup des coachs, puis il y en a, mais comparé aux États-Unis, c'est incomparable. Donc, il y a encore des bons coachs qu'on veut voir apparaître dans les prochaines années, des formateurs. Il y a de la place, il y a de la place. Donc, ne doute plus de toi et c'est le temps d'investir, c'est le temps de te mettre de l'avant, c'est le temps de briller, c'est le temps de rayonner si euh, tu es une thérapeute, une coach, une formatrice que tu l'anglais, les relations humaines, euh, la communication, les réseaux sociaux ou encore la sexologie. Tout est disponible. En fait, tous les sujets restent encore à faire, mais aussi, il y a beaucoup de gens qui vont continuer de dépenser dans l'éducation en ligne. Donc, c'est un terrain incroyable, un terrain de jeu incroyable présentement. Donc, ça va bien. Ça va bien. Ça va super bien. <laughs> ça va vraiment bien. Et là, souvent, on me dit, ben ouais, mais Steph, C est, c est, t'sais, aux États-Unis, ils vont prendre une partie de cet argent-là. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont prendre une partie de cet argent-là. Mais il y a 321 millions de francophones dans le monde. Des fois, on l'oublie. Hein? On l'oublie cette euh, statistique-là qui est quand même assez importante parce que des fois, les gens me disent, ouais, mais tu sais, il y a tellement de formations de nos jours que... Pourquoi les gens achèteraient une formation à moi? Ils vont peut-être acheter une formation à une autre parce que là, tu sais, à un moment donné, il va manquer de monde. Il manque pas de monde, là. On a 321 millions de francophones dans le monde. Euh, Souviens-toi de tout ça, moi, là. Cette phrase-là, je me la répète souvent parce que à chaque fois que j'embarque dans des gros lancements, des gros lancements où est-ce que je veux avoir 200 nouvelles personnes, 300 nouvelles personnes, puis des fois, je vais chercher jusqu'à 3000, 4000 nouveaux courriels quand je suis dans des lancements. Des fois, je me dis, coudons, il va y avoir du monde cette fois-ci dans le sens que, il me semble, j'ai fait le tour? Ben non, je j'ai pas fait le tour et je suis loin d'avoir fait le tour, <laughs> vraiment, parce qu'il y a 321 millions de francophones dans le monde. Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Il y a plein de gens qui ne te connaissent pas. Donc, justement, ce serait très dommage de ne pas faire circuler ton argent par peur de ce qui pourrait arriver, alors que cet argent-là que tu as présentement peut te servir à te faire voir, augmenter ta visibilité pour prendre de l'expansion parce que c'est le temps présentement c'est dommage à le dire puis je vais être bien direct puis je vais être bien franche puis on va aller là-dedans mais les filles qui vont avoir eu peur en ce moment vont regretter dans deux trois ans Ils vont regretter dans deux trois ans parce que euh, c'est le temps présentement d'augmenter sa visibilité. C'est le temps présentement d'investir dans du coaching. C'est le temps présentement de d'aller chercher des nouvelles compétences, d'acquérir des nouvelles compétences pour nous aider là-dedans. Parce que dans trois ans, là le marché va exploser. Puis quand le marché va, être, va exploser, va falloir encore plus se démarquer puis aller chercher d'autres stratégies supplémentaires pour se faire voir. Ça va être de plus en plus dur. Déjà, c'est de plus en plus dur. Si on regarde, moi quand j'ai commencé, il y a de ça quelques années versus aujourd'hui, c'est plus difficile aujourd'hui de se faire voir. Et ça. Ça va être encore plus difficile dans quelques années. Donc, les filles, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, c'est le temps d'aller chercher de l'argent les femmes présentement. J'avais une rencontre récemment avec Evol qui aide les femmes entrepreneurs de partout à travers le Québec parce que je suis experte pour eux. Je fais des petits trucs pour eux dans l'année. Puis, euh, c'est 52,5 millions qui a été annoncé pour les femmes comme enveloppe de financement. On peut aller chercher des prêts. Là, c'est sans compter les prêts qu'on peut aller chercher à la banque et tout ça. J'ai fait une demande, moi aussi, récemment, pour avoir des fonds pour des projets que j'ai le goût de développer. Donc, il y a de l'argent, les girls, présentement. Il y en a plein. Profitez-en. On en profite. Si tu veux vivre ta vie de rêve, you can do it now. Et ça, c'est hyper important. Parce que qu'est-ce que tu vas regretter dans 25 ans? d'avoir écouté ta petite voix intérieure ou d'avoir décidé de mettre tes rêves sur stop par peur que le monde dégringole. Si demain c'est la dernière journée de ta vie, tu veux -tu être fier de tes choix? Tu sais, moi, c'est ça que je me dis tout le temps. Si demain, c'est la dernière journée de ma vie, je veux être fière de mes choix, de qui je suis, non regretter quoi que ce soit. Et, et en ce moment, je me sens dans une période de ma vie où je, je prends des grandes décisions, je fais des grands choix. Même financiers, il y a des choses que je fais que euh, je suis comme waouh, je suis fière d'être capable de faire tous ces choix-là parce que je choisis la confiance au lieu de la peur, parce que je choisis la puissance au lieu de la peur, parce que je choisis. Euh, le changement choisi, la nouveauté. Euh, je me sens vraiment dans une période moi-même d'innovation. C'est d'ailleurs mon troisième point et ma troisième étape. Pour éviter que la situation mondiale affecte ton entreprise, c'est de mettre ta switch de l'innovation à on. C'est le temps d'innover, c'est le temps de créer des nouvelles choses. Et ça, je le dis depuis les deux dernières années. Et ceux qui l'ont fait, ça a eu des résultats incroyables et on est encore dans une phase d'innovation. Donc là, euh, c'est d'être à l'affût de tout ça, d'ajuster des choses aussi dans notre business, dans notre modèle d'affaires. Ça se peut que ton modèle d'affaires est en train de mourir. Ça se peut très bien. Et oublie jamais qu'à à la fin de chaque cycle, il y a un nouveau cycle qui recommence. Donc, moi, il y a des choses que j'ai dû mettre fin. Il y a des choses que j'ai dû laisser de côté. Il y a des choses que j'ai repoussées. C'est parfait, c'est correct et ça me permet de réfléchir à qu'est-ce que le monde a de besoin maintenant? Qu'est-ce que mes clients ont de besoin maintenant? Il y a des affaires que j'avais... En tête, puis que finalement c'est pas ça. Avec la situation, c'est plus ça. Il y a d'autres choses qui changent, il y a d'autres choses qui évoluent. Donc c'est super important d'être à l'affût de tout ça. Les crises, là, on va dire en affaires que c'est des terres fertiles d'innovation. C'est pas des crises, c'est des terres fertiles d'innovation. C'est vraiment des périodes pour faire naître des nouvelles choses, faire fleurir des nouvelles choses, faire grandir certains projets aussi. C'est un moment de réflexion, mais c'est un moment de, de changement incroyable. Puis on parle beaucoup des quatre éléments. J'aime ça, moi, parler des quatre éléments, terre, air, feu, eau, euh, parce que c'est vraiment d'être capable d'amener sa business à travers les éléments pour voir qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on peut ajuster, comment est-ce qu'on fait pour innover. La terre, là, ça, c'est nos racines, notre identité. Est-ce que ça se peut que notre identité ait changé? depuis les deux dernières années. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des, des nouvelles choses qui soient apparues pour nous? Est-ce que ça se peut que notre vie ait changé? C'est moi, là. Depuis les deux dernières années, j'ai réalisé à quel point que j'avais besoin de me reconnecter à la nature. J'ai réalisé à quel point euh, il y avait trop d'informations partout euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans les formations, euh, euh, la technologie, la vitesse, ça m'a fait réaliser à quel point qu'on était là-dedans et qu'on a besoin de ralentir, qu'on a besoin de réfléchir, qu'on a besoin de choisir, qu'on a besoin de se reconnecter à nous-mêmes et ça ça m'a amené une nouvelle identité et cette nouvelle identité là m'amène à l'eau l'eau qui est fécondée. C'est là que l'innovation part et c'est là que j'ai des idées de ma nouvelle plateforme des communicatrices fly -E qui va sortir en mai qui va être une des c'est une nouvelle formation en fait, c'est pas une nouvelle plateforme en tant que telle mais tu c'est du nouveau contenu, tout frais, euh, innovant euh, en lien avec ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient pour le monde. Fait que c'est c'est vraiment à travers ma nouvelle identité que j'ai été capable de faire féconder ce projet-là qui est un projet d'innovation. Fait que ça ça va être juste incroyable. Quelque chose de très très humain que j'ai voulu ramener quelque chose, c'est comme se ramener à la base, se ramener à l'essence dans nos communications. Puis ça, ça va faire en sorte qu'on va être capable de faire rayonner nos réseaux, rayonner notre marketing mais notre vie entière. Donc, il y a la terre qui est là pour nous aider à euh, installer nos racines, aller se connecter à son identité, puis être capable de voir, hey, mon identité a t changé depuis les dernières années Oh okay, que oui, ok. Bon ben, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui peuvent naître de ça C'est là que l'eau entre en ligne de compte. Elle est, elle est indispensable. L'eau, hein? c'est elle qui produit la vie. sans eau, euh, la terre ça ne pourra pas germer. Tu sais? c'est super important euh, d'être en mode innovation au niveau de l'eau. Ensuite, quand on rentre dans le feu, c'est intéressant parce que le feu, il y a, on peut le voir de deux différentes manières. Soit il y a un pouvoir de destruction énorme, mais soit il y a un pouvoir de transformation énorme. Donc, c'est d'être capable de voir, OK, là maintenant que j'ai une nouvelle identité, que j'ai été capable d'innover peut-être avec un nouveau projet. Comment est-ce que je peux amener ce projet-là à transformer les autres, à transformer le monde? Et l'air, c'est le souffle vital, c'est d'amener un vent de changement, d'amener des choses différentes, d'amener une façon différente de faire les choses. Moi, il y a quelque chose que j'ai voulu beaucoup amener dans les prochains mois, c'est l'humanité à être proche des filles. Euh, j'ai rajouté du coaching individuel dans certaines de mes formations. J'ai le goût d'être plus proche, j'ai le goût d'être là. Euh, puis, c'est drôle parce que autant j'ai le goût d'être là, autant j'ai le goût d'automatiser des choses aussi pour avoir plus de liberté. Fait que je veux être là, mais je veux pouvoir en profiter. Fait que je suis en train de tout réorganiser pour pouvoir répondre aux deux besoins, le besoin d'humanité que j'ai puis de connexion avec ma clientèle mais le besoin aussi d'être libre et de pouvoir voyager puis m'amuser puis de profiter de la vie. Fait que ça ça vient beaucoup avec l'air, avec le vent de changement mais il y en a beaucoup qui sont comme moi. Ils ont envie de vraies relations humaines, ils ont envie de vrais contacts, ils ont envie de euh, connexion avec leurs clients puis en même temps, ils ont envie de profiter de la vie, de d'être disponible pour leurs enfants, pour leur chum. Fait que tu sais, ça fait partie de l'air aussi. Donc c'est vraiment d'être en mode innovation. C'est vraiment ça qui peut nous aider. Donc, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour avoir une vision d'espoir pour la suite. Je crois en ton entreprise. Je crois que tu vas y arriver. Mais ce n'est pas le temps de s'arrêter. Ce n'est pas le temps de prendre une pause. Bien, à moins que tu ressentes vraiment le besoin, évidemment. Là, parce que des fois, c'est le temps de prendre une pause. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le temps de prendre une pause par peur. Si tu prends une pause par choix, c'est correct. Mais si tu prends une pause par peur, je pense que ce n'est pas le temps. Donc, comment éviter que la situation mondiale affecte ton entreprise? Première étape, changer ta vision du monde. Donc, si tu sens que ta vision est erronée, biaisée, négative, ben... Peut-être c'est juste de sortir de chez toi, d'aller rencontrer d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres endroits, ça peut beaucoup t'aider. Deuxième chose, c'est te réconcilier avec l'argent. Il y a l'épisode 120, 121, 122 qui peut t'aider aussi où est-ce qu'on parle en long et en large de notre relation avec l'argent. Ensuite, le numéro trois, mettre ta switch de l'innovation à on. C'est tellement important. Tu as peut-être besoin en ce moment de faire germer puis de laisser germer ta nouvelle identité, T as besoin peut-être de transformer ton entreprise, peut-être faut que tu revois ton plan d'affaires puis ton modèle euh, pour apporter un vent de changement, fait que ça c'est super important, fait c'est les trois étapes que je voulais te partager aujourd'hui. Je t'invite aussi si c'est pas déjà fait à télécharger mon cadeau du moment, top 10 des podcasts pour t'aider à transformer ta vie grâce à la communication flyée. Bon, là tu dois te dire mais j'écoute déjà tes podcasts, c'est quoi l'avantage de télécharger ce cadeau-là Il y en a deux en fait. Premièrement, euh, le but du cadeau, c'est vraiment de t'aider dans ta communication avec les autres, avec toi-même pour pouvoir améliorer ta vie personnelle et professionnelle. Fait que le but, c'est d'aller travailler ta communication pour pouvoir mieux atteindre tes objectifs de vie, de liberté puis de business. fait que ça, ça peut t'aider. juste des fois d'aller écouter des vieux épisodes que euh tu n'as pas écouté depuis longtemps mais qui ont un impact incroyable donc j'ai vraiment réuni les dix podcasts qui peuvent t'aider dans ta vie avec ta communication fait que c'est le premier avantage deuxième avantage c'est que ça va te permettre d'être inscrite à mon infolette si tu n'es pas inscrite à mon infolette et il va avoir un cadeau pour celles qui euh, suivent mon infolette que je vais annoncer dans les prochaines semaines fait que juste pour ça ça vaut quand même la peine de télécharger le cadeau je te mets le lien dans les notes de l'épisode puis, n'hésite euh, pas à me faire des coucous sur Instagram, à partager le podcast en stories dans des groupes Facebook. Ça me fait toujours plaisir euh, quand tu parles de moi, quand tu me parles à moi aussi. Euh, Puis, qu'on fasse ensemble découvrir le podcast. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. C'était un grand plaisir. Content d'avoir retrouvé l'électricité. Je vais aller prendre ma douche. <laughs> Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!